un vœu à l'endroit du gouvernement ou de l'opposition en 2020. Ok, bien, vous remercier, Père de la Nation, après avoir remercié Dieu le Tout-Puissant, de par sa détermination, son engagement quant à l'arrangement de notre pays sur le plan du développement, il est déterminé. Donc on le remercie par ça. Et nous lui prêtons encore nos soutiens. Que Dieu lui donne santé, vie et plus de santé pour qu'il arrive à bout de ses projets. Quant à l'opposition, nous leur souhaitons également la santé, la vie et une réorganisation parce que juste là, nous ne voyons pas. Une opposition bien structurée, semble-t-il, intérêt individuel est en train de les diviser. Pourquoi ne pas renoncer à l'égoïsme et se réunir, se réorganiser autrement pour pouvoir aboutir à ce que nous voulons. Parce que, il est bien vrai, un seul individu n'est pas construit un pays. C'est tout l'ensemble qui doit s'asseoir et discuter des questions d'actualité, ce qu'il faut éviter cela. Mais si nous avons encore d'opposition, si jusqu'en 2020, début 2020, qui n'a pas encore compris le jeu, comment s'organiser, là moi j'ai honte. Franchement j'ai honte. Surtout quand je vois de côté Yahi Boni, Adjabon, en tout cas les grandes personnalités politiques qui ne savent pas que c'est l'Union qui fait la force. Moi j'ai honte. Ils n'ont qu'à s'organiser autrement pour que le pays soit vraiment uni. Je dis heureuses années 2020 à tous les opposants du Bénin et les exilés politiques. Parce qu'on est arrivé en 2020, il y a une élection, il n'a qu'à regrouper unis pour que en masse on ait une élection communale. Parce que trop c'est trop au Bénin. Trop c'est trop au Bénin. On ne peut pas avoir deux partis seuls à aller aux élections. Ça, c'est fini. Nous voulons que l'opposition s'organise, restez unis pour aller aux élections communales et puis présidentielles en 2020. Parce que l'État est une continuité. L'État est une continuité. Un seul ne peut pas gérer le pays. Donc on doit rester ensemble pour que notre pays, le beau pays, va se développer. Pour faire sortir la misère et de la galère. Il y a trop de misère dans notre pays. À côté du gouvernement, je voudrais rassurer notre président Talon d'arrêter. Parce que par-ci, par-là, on chasse les gens de la fonction. Ils ne demandent pas ce que les gens vont manger. NPE, ils ont renvoyé les gens. Cadets, ils vont renvoyer les gens. Les militaires, ils vont renvoyer les gens. On ne parle plus de port. Pourquoi? On ne parle pas. SPE, Sonep, tout ça là. Globacom, ils sont à la maison. Libécom, ils sont à la maison. Cognan, on est fatigué. On nous demande que, quand j'ai chassé celle-là, il va manger quoi? On cherche les gens partout par là, aller au marché. On sait que notre président est en train de travailler. Je lui donne 20 sur 20 sur ça là. Talon, tu es en train de travailler. Mais l'État est une continuité. Tu vas faire pour toi, après tu vas partir à un autre mari. Parce que le pouvoir central n'est pas un héritage. Le pouvoir, c'est pour le peuple binois. Il est bien, bien, tout le monde a une vie d'assommelé. Arrosement d'assommelé, une vie. Donc, il y a encore 10 dix, d'autres coups, mais on l'a ouvertement. Si on est fini, elle est définie, on met des assommelés, on finit, mais on va voir une mort. Asimétrique David dit que finir tant sur un autre de nous. Bon à voir nous bien attendre au glouin courant glouin. Ne bois plus pas nous n'attendons pas que tu attends ton. Ne m'a ouvert des nez. Hein? Le toga d'azoua il dit tout le matin d'azoua le toga le oh non soit le tonne. Et me dit que Patrice Talon coule d'azoua ou et d'azoua ne vous non. Il finit. Et va dire combien mettez fille du balcon. Combien d'ailleurs allez dire combien. Mais là bon on finit mais combien ouvert mais non déjà. Et que déjà gazé que déjà les nodi dion. À gazé la moi notre problème bien pour bientôt quoi. Et de goudron bleu bibo a défini dion. Eh oh. À toi j'ai. Mais à quoi il finit en là. Nous vivons dans ton arrondissement, ton coin. Il est ouvert, mais. Et toi, il est dit, il est mon nom, il est dit, 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 il est dit
mido dana dana blo godola mo ene tekena kaka bene to ko me don bo me de tono gbale o ene wa se ku na yi bi pe bile ene ya ko di de don emi je to ko di bo to ko di bo mo no jo don no tona bla o na mi ene yo me mi to bo ka ti do bo fi te dossier o compteur d'asso to le ka di bo le ka ki mo gbe to ti di gbe da bo yi da kwe bo yin ya kwe bo ko compteur na 92000 be do compteur si ko te weni di mi mo compteur le ya ele a no mo elle a créé bon arrondissement d'Asotome elle a chaque année fait kai on dit les tolo jeko e wana pe de non le wa mono le e jura ga donc on était pour kaka abo casser le fida quoi mino le kai vous tenez que la wale la placer container à tout vilain donc courant le fio mais il y a quoi dire toto quoi mito wa mi mono ku je ko do mini ya donc e da so wa tan we o gwe nu vi mito le me le ti uno yi back dai mo le bebe jira yi e konku wa o you know jai de ta lo ka wa di yo Donc, il y a un peu de temps. Boka bi obi ere mi meyan le o eni ma jo mi do 2020 le mi de o eni ma jo meyan le do e bo bonde kaka hun e nanu fli yan mi me won ki tole nanu fli mi sedo ni we je ka be na blo ni meyan won ki tole o ni te ko bi blo nu mi e ko bla ki do ko nu mi di o da so me bo vivi nu mi kaka e ka o pe a mi le da lo go to ba deji mi do si ba we si oyin si mo bo khu mi ro ta so ka me mi ro si ba we ni te po mo vi mi me yan le bo ni mi to mo si bo do wa a lo nzo de mi na wa teme teme le o si zo e mi ma ka mo si ha a zo na inu ko a mi ni ro bi o bi ere bo do gbe do se de we mi do la me si ko si da gbe ni do da li le blo we a li teme teme le o e do bi blo we ko me ro mi do ko yo me o mi do gbe ni to gamiton si si je ha monsieur Athanase Guillaume era cheni do era so wa aso wa de ni bene to egbedion mi tun wa amo so mi na atun do edo aso de lewa do fidio mi je fidio mi no mo bo ali ro yi we je ko se saliji bana me saliji yo ira li blue e je ko be saliji yo ira li blue e je ketu ira li blue a li gbo fi bi hogbon to sun kuku makwi e ira no hogbon dai boyi e ho me di ara buru hogbonu e de kre mi do meji le e do aso wa we wa aso de ka wa de yo e ma wa do to de gunu kun le me ke de oni bi o to ho gle to ho le de su me tra la we he kame oni bi o we he kame do to ko de la me ke to ko ke mo pavé bon volé me ta to fi mi mo pavé de ya e ma ya khide blo ni mi de pavé wa le da khio a fi de ti mo pavé bon ta so to me ya hun mi to ko ku ni be ni ku do ko de ma ona he ganji o mi gudo be na mo la me si e hun si dagbe bo na wa to zo ha mi kaka yi vi bonu Et on a dit que quand il y a lui mais non du haut dit que talent wa bo ali kere blo mais mi dele ali o pe mi dele we alo mi dele mi ro ko be dia mi no ko ve me do ali kere mi kan du o ko je do mi no ko ve ali o eji mi kan gbon ko mi nai mo ndudu o ali o ji mi na gbon mi nai mo ndudu o me lo mo dele o suru irado ko ve o ti mi gbon do e wa din kan ba so frontier bon ndudu le so no ko si fi bra yan le awon to ka to wa fiya e so bo mi no ve mo taun e ho dia do kote ni o be nai do hun ini do gbe po o do ho ni bo ni ni gbogbo ni mi meto vile mi na mo po do ajina ku gelu we lo ho ho nu ka le no mo ve mi de le ka inu ka bo lo ve mo adi hun ni mo na ro do ali ni odi o ene si me ve a les opposants du Bénin aussi je les souhaite un santé remis en 2020. Tout ce que j'ai regretté d'eux en 2019, moi je leur ai demandé de ne pas continuer en 2020. Ce que j'ai regretté d'eux est quoi? Ils critiquent, mais ils ne proposent pas quelque chose. Je les souhaite en 2020, si
et que si ils critiquent, ils n'ont qu'à proposer quelque chose à gouvernement. Il ne suffit pas seulement de critiquer pour critiquer. Parce que sans l'opposition, le gouvernement ne peut pas évoluer. Mais critiquer pour critiquer, c'est ça qui n'est pas bon. Bon, le Bénin est pour nous tous. Et j'invite tous les cadres du Bénin, du Nord au Sud, de rester ensemble pour construire le pays, pour que la jeunesse trouve les pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes frères qui sont à la maison, qui ont des diplômes et qui ne trouvent rien à faire. Et j'invite le gouvernement aussi de penser un peu la jeunesse. Je pense que cette année 2020 soit une année de succès, une année de la paix. Ne pas se décourager, ne pas attendre les rumeurs, hein, ce qui se passe dans le pays. Il faudrait que le chef de l'État soit conscient en 2020 et que les lois soient un peu respectées en 2020. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les plans, on voit que les projets sont un peu insuffisants. Il faudrait qu'ils augmentent ces choses. En politique, sur le plan politique, je veux dire, en 2020, il y a élection communale. Cette élection communale soit une élection extraordinaire. Que cette élection de 2020 ne se ressemble pas aux élections de l'électif passées en 2019. Parce que dans le cas de l'agriculture, le chef de l'État nous a dit que le Bénin est le premier. Et il faut dire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on attend que le président du Mali est en train de dire que c'est le Mali qui est le premier. Nous ne savons pas si effectivement c'est le Mali qui est le premier ou bien c'est le Bénin qui est le premier. Nous interpellons le ministre de l'Agriculture qui revient pour répondre à cette question, pour détailler, pour bien expliquer, pour qu'on sache qu'aujourd'hui le Bénin est le premier. Moi, mes voeux directement vont dans l'opposition. Je leur souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour cette année 2020, que la victoire est déjà proche. De ne pas se décourager. Sincèrement, je demande encore au peuple béninois d'aller à l'école du jeune leader, de l'opposition, Guy Tokwe. C'est un modèle. Si nous pouvons aller à cette école, vraiment que le Bénin va grandir. Donc sincèrement, je souhaite beaucoup de courage. Cette année 2020, ils ont déjà annoncé leur retour du vestiaire. Parce qu'en son temps, ils étaient au vestiaire. Et ils ont déjà annoncé leur retour du vestiaire. Ils vont rentrer sur le terrain et le match va reprendre. Et pour cette fois-ci, ils ont reçu des consignes pour pouvoir gagner l'adversaire. Cette année, c'est une année de victoire pour l'opposition. Ça, c'est clair et net. Les vœux va directement chez le président et d'honneur de la FCBE, qui est en train de jouer un grand rôle de médiation, de réconciliation de ses frères qu'on a divisés.